Le titre d'abord c'est Minkang Mimbon, donc les cloches des initiés. Okay. Bon, il y a eu un ancien qui a fait une fille et qui ne voulait pas faire un mariage. Et l'autre chef est venu arracher cette fille et ça a donc fait des éclatements de voix et une petite guerre. Alors, c'était un volet, c'est une épopée à deux volets. Le premier volet stipule que la sexualité ne fait pas un tabou pour certaines personnes, quelles que soient religieuses. L'autre sujet, c'est donc la guerre entre les tribus, qu'on interdisait que ce n'est pas bon. C'est une chanson que j'ai retrouvée, faite par des ancêtres et que j'ai revalorisée. Thank you so much. That's beautiful. This is Pantaleon playing the invet. How do you tune this instrument? Comment vous l'accordez l'instrument? Cet instrument, je l'accorde à travers le ton que je chante. Parce que moi, je n'ai pas fait l'école de musique. Je règle mon instrument à travers mon ton de ce que je vais chanter. Vous pouvez donner une démonstration de le tuning? Comment vous faites? Par exemple, quand je vais chanter... Et puis je fais... Et l'accord de cet instrument, il y a les cordes mâles et femelles. Par exemple, la première corde que vous voyez, c'est ici. C'est ici. Et sa femme, c'est ici en bas. Top. Ok. Je vois. Et la seconde corde, sa femme, c'est ici. D'accord. Et la troisième corde, sa femme, c'est ici. D'accord. La quatrième corde, sa femme, c'est ici. La cinquième corde, sa femme, c'est au milieu ici. Lorsque vous avez dans ce son, et vous réglez donc selon votre gamme de voix. Ok. C'est un morceau qu'on joue toujours quand on va se dire au revoir. Et puis, quand je joue quelquefois, et il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger, je suis très mal entretenu. Et puis, je joue cette chanson à celui qui m'a invité. C'est le titre, c'est Evan Enem Teberi Bare. La blessure de cœur ne se cicatrise jamais. Les vingt les nems te berry ba bujongayama. Les vingt les nems te berry ba kumbini buanayama. Mama bo va yama never ti buan. Et puis me te va yama never ti dam. Me nemo kabi long bi nemo kau na nemo kabi buan me simo kai chai kwa. Mwana mwana sevi bujongayam. Gemu uva na ye yama de. Ji pa song o ji sublemim.
Me pardon me song and me mind it from before my joy. You put me over, dear, and never did I mean. Yeah, and yeah, yeah, and yeah, please I know. Yeah, and yeah, please I know. Yeah, yeah, and yeah, please I know. Yeah. Est-ce que les femmes ont l'habitude de jouer ça? Ici, il y avait une femme qui jouait à ça. Oui. Mais elle est déjà morte. Okay. Il y a pas de c'était une boule. Est-ce que beaucoup de gens dans votre région jouent cet instrument toujours? C'était un instrument très difficile. Et puis les jeunes, comme les jeunes veulent maintenant la facilité. Et puis avant, là, ils me voyaient comme un troubadour, comme un mendiant. Alors moi, je faisais mon travail. Oui. Alors, ce n'est que maintenant que certains veulent apprendre. J'ai certains élèves que j'apprends. C'est bien ça. Alors peut-être vous allez venir aux États-Unis, à Washington, apprendre les gens là-bas. Et si vous m'invitez, okay. Ce serait une très bonne chose. Ok. Faire une école de maître aux États-Unis. Ah oui. Ce serait une bonne chose. Okay. Je vous explique d'abord l'omvet. L'omvet est fabriqué par une branche de raffia que voici. Ok. J'ai mis le fil de fer comme corde. Au milieu. Ce bâton, nous l'appelons le chevalet. Le chevalet. Le chevalet. D'accord. De chaque bout de ce corde métallique, il y a les anneaux qui servent de réglage de son sonore. Chaque anneau est attaché de chaque bout pour servir de réglage. Ok. Il y a des calebasses. Des calebasses qui servent de son. C'est comme des sections des caisses de son. Mm-hmm. Des caisses de sonorisation. Mm-hmm. Maintenant, pour jouer au vet, nous avons 5 cordes qui sont divisées. 5 cordes multipliées par 2, ça fait 10 cordes. Donc, au vet, je joue à 10 cordes. Okay. C'est le mâle. Le mâle. Top string. La femelle, c'est en bas, quatrième corde. The female is in the bottom, the fourth string. And those two go together. Ils vont ensemble. Oui. C'est unisson, en fait. Oui, c'est... C'est la même note. La même note. Octave. Mais ici, c'est un peu... C'est gros. Oui. Ici, c'est... Bon. La deuxième corde va avec la dernière corde. La troisième corde s'accorde avec la deuxième du côté court. Quoique le son est un peu différent, oui. Un peu, mais c'est sa femme là. Ok. Bon, la quatrième corde du côté long s'accorde avec la première du côté court. Et la dernière corde du côté long s'accorde avec la troisième corde du côté court. Ici, c'est le do. Donc, dès que vous avez... je l'accorde selon ma voix. Mm-hmm. La voix que je chante avec. Oui. Donc, même vous-même, mm-hmm. vous pouvez l'accorder avec votre voix pour chanter. Ok, montre-moi le do encore. C'est ça. C'est le premier. Le premier. Le premier, ok. So, la... Si moi je chante comme ça, c'est bon. Donc si vous avez une petite voix, vous pouvez baisser l'anneau
pour avoir le son aigu. Oui. Et puis, vous suivez la même chose, vous faites la même chose partout pour avoir le bababa là. Merci. À partir de là. Allez dire bonjour aux États-Unis. Il faut leur dire qu'il y a le roi d'une fête ici qui aimerait venir apprendre aux jeunes, aux gens à jouer au mvet. Ils vont entendre.